bien commencé ma petite journée et me réveiller. Moi, je pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'avais ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas, me crie mon aimé? Prenons un carouage, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps que ça arrive, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. On bouge chaque à l'heure de la pause de café. Ma secrétaire rentre, elle faire comme vous l'aimez. Ah mais je viens d'en prendre un, mais maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il est tentant, superbe, je me sens stressé. Mes collègues sont marnés, tant toi, René. Prends un cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés. Appelle un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je vais tout Paris, puis je vois un truc et je commande des câbles et recaféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes en retard, je me suis inquiété. Je jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, faut que je rentre, mais on aura un café. Attendant le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit, est-ce que vous avez l'air, s'il vous plaît, monsieur? Alors je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je sers un devidé. Papa, mon papa, en cas je suis le premier. Oh putain, mais quoi, qu'est-ce que tu m'as arrêté de me faire chier? Mais qu'il est con, ce gars. En plus, on met à chialer, je m'enferme dans la cuisine et je bois un café. Ça fait bien 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois un café. Faudrait bien que je dorme, les flics vont me choper. Alors je cloue les pattes et je reprends.